Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keeper avec Moog, l'esclavagiste. On est sur le run numéro 4 et on accueille Curse Pégase et Pisspousse qui te pousse dans notre équipe. On va voir si on a l'occasion de s'en servir dès maintenant avec un petit combat. Alors on a deux aventuriers, un vétéran, qu'est-ce qu'on nous propose? Un bonus de maître et un peu de sous. Un monstre et peu de sous, ou alors un bonus de maître et pas mal de sous. Allez, il y a une salle de repos qui soigne la vie, je crois, celui-là. On est en dèche d'or dans ce run, parce que je le dépense assez inconsidérément. Donc on va prendre la thune et la difficulté compliquée. Pour l'instant, ça se passe très très bien. On peut se permettre. Alors, on commence direct avec un piège. Et ça, ça soigne la vie comme prévu. On pourra donc se permettre de booster nos héros, nos monstres, pardon, grâce à un petit corps de ralliement. Qu'est-ce qu'on a ici? Résistance augmentée de 15, ok, on s'en fout. Ne peut pas être affecté par poison, restitue du moral. Ne peut pas être affecté par des malus infligeant des dégâts ou du moral sur la durée. Oh la vache! C'est hyper badass ce truc! Bah tant pis, on va quand même la défoncer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Du physique devant, de l'air derrière, du feu devant. Est-ce qu'on a celui qui mélange? Non, on n'a pas celui qui mélange. Ah, Grognard qui est de retour. Alors par contre, lui, il fait purement du dégât, par contre. En vrai, le 62 dégâts de feu, il fait mal. Hein, mais ils ont il a une bonne défense au feu, donc on va probablement pas le tester ce tour-là non plus. Est-ce qu'on emmène Xebus, Broudaf et Damned? Ouais, pourquoi pas, hein. Après, résistance au feu et résistance au physique... On n'a pas. On n'a pas, donc c'est Xebus qui va tanker. À l'arrière, il nous faut de la résistance à l'air. Ça va être pour Broudaf. Et Damned, tu viens au milieu. Surtout pour ton passif, hein, résistance améliorée à l'avant. Ça va clairement aider à encaisser les dégâts d'air sur lesquels tu es faible. C'est parti. Ensuite, ils regagneront de la vie. Ici, on va leur mettre un petit piège. Je pense qu'on va mettre la petite surprise macabre. Parce que ça va bien lui faire mal au moral, lui. Et on va en plus être capable derrière de lui remettre un coup de terrifié. Ça fera encore plus de dégâts. Donc là, on ne peut mettre personne. Après, on verra qui reste arrivé au piège. Hein. Allez, c'est parti. Faudrait qu'on améliore lui, voir si on peut pas avoir encore plus de bonus. Donc là, le 50% de puissance en plus et le 50... Attends, il y a 270 PV de Xebus, mine de rien. Allez, un petit hurlement, c'est parti. Donc elle est immunisée, on va devoir la laminer à la main. C'est pas grave. Les autres seront là pour souffrir à sa place. Putain, on est tellement démoralisé, la vache. Ouais, il est déjà presque en fuite lui. Bah, il est en fuite, je pense. Il rattraquera pas. C'est fini. Hop là. 11 stacks. Ça fait plaise. Et salut! Oh là là, ils prennent tellement cher! Ah, et le moral, ça fait quand même vachement plaisir! Hein. Enragé, ça c'est moins sûr qu'on s'en sert, on pourrait améliorer notre fouet. C'est vrai qu'on soigne de 30% maintenant, si jamais ils arrivent jusqu'à nous. On va prendre la puissance parce que si on les lamine bien en moral, ça augmente aussi les dégâts de moral qu'on fait. Alors, ingénieur ou un événement? On n'a pas trop de thunes, j'aimerais bien prendre le séminaire après, on va prendre l'événement. Le collectionneur. Un amateur a remonté la piste d'un artefact jusqu'à vous et souhaite vous l'acheter à un prix très attractif. Il a l'air d'avoir d'autres objets du même genre sur lui. L'un de vos employés serait capable de lui en subtiler un. Oh, Martouille le fier, tu vas pouvoir voler le croc de Melinda. Les attaques des démons régénèrent leur vie de 150% des dégâts infligés si la cible est affectée par brûlure. Niveau de démon, on a quoi? On a aucun démon, mais bon, ça peut toujours servir. Hein. On lui vend certainement pas notre pierre. Et du coup, on va lui voler, voilà, au cas où on puisse le vendre un jour. On va prendre le séminaire, voir ce qu'on peut leur offrir.
Alors, atelier métallurgie, plus d'armure, 40 d'armure quand même. Buffet à volonté pour leur remonter leur motivation, ça pourrait être intéressant parce qu'on sert beaucoup des mêmes, donc du coup leur motivation diminue petit à petit. Ou alors plus de vitesse, footing matinal pour plus de vitesse. Bah oui, plus de vitesse, clairement. Clairement, clairement, clairement. Ici, on va prendre le pillage. Alors, ouh, il a que 3 de motivation, lui, j'avais pas vu, tiens. Plus 3 de motivation, non c'est naze. Gain d'or, trouve un artefact 30%, et là on paye, trouve un monstre 100%. Non, on va prendre ça. Et en plus on n'a même pas eu la fatigue. On n'a pas eu l'artefact non plus, on a eu juste un peu de thunes. C'est toujours ça de prix. Alors, est-ce qu'on va pouvoir prendre un dernier artefact? Qu'est-ce qu'on nous propose? Vous ne pouvez plus passer qu'un seul piège, mais il inflige multi-action en début de donjon. Ah ouais, alors un seul groupe de monstres et un seul piège, c'est peut-être un peu énervé quand même là. On pourrait se débarrasser de Xebus niveau 4, c'est notre meilleur orc. Ça pourrait laisser sa chance à Curse Pégase, hein, cela dit. Ou à Pispous. Ou alors l'artefact, ça va être tendu. Hein. Ou alors juste un petit peu d'or. Allez, laissons sa chance. Laissons sa chance aux autres. Alors qu'est-ce qu'on a du coup? Un bonus de maître, un piège. Un piège et beaucoup d'or. On va être bien en thune. Hein. Et une catastrophe. On devrait être capable de gérer cela, je pense. Alors du coup, on va peut-être les mettre sur la deuxième ligne. On a quand même Damned qu'on peut mettre devant, hein, qui a une armure potable, si jamais il y a quelqu'un qui tape. Et on a toujours au pire le compo dégâts physiques à l'arrière s'il faut. Ok, on va faire ça. En plus, n'oublions pas qu'ils ont hâte. Hein. On va se faire cela. On va essayer de choper un piège et de l'or. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Dégâts de glace à l'avant, donc on commence direct avec un groupe de monstres, donc c'est l'échec, on ne les mettra pas. Hein. On va vouloir encore que... Non, je pense que non. On va voir, qu'est-ce qu'on a? Retire le malus, gagne un bonus aléatoire au début de son tour si le sage ne bénéficie d'aucun bonus. Ok, pourquoi pas. Remplace une fois un de ses malus, ignore la première attaque subie. Soigne de la vie, armure augmentée de 30. D'accord. Ok, pourquoi pas. Alors, on pourrait essayer de leur laminer le moral dès maintenant. Si on fait ça, il faudra qu'on les envoie se reposer après, hein, parce qu'ils pourront plus combattre. Ce qui veut dire qu'ici, on boosterait lui. Là, on ferait du moral pour essayer de booster encore lui. Là, on leur ferait quoi? Physique gelure, 42 dégâts de glace, applique ralenti. Cible facile pour augmenter le dégât des pièges, c'est tout naze. Ou alors, on joue sur le poison homéopathique, on essaie de leur faire un maximum de morale, et arriver là, on les défonce. On va peut-être faire ça plutôt, tiens. On va les laisser se reposer un peu, enfin en l'occurrence ils vont pas se reposer parce qu'ils sont pas au repos, mais c'est pas grave. Ici on va mettre le petit corps de ralliement pour booster notre père des damnés. Ici on fera un petit peu de morale, ici hop, le père des damnés, là on verra ce qu'on fera selon les circonstances. Là on va mettre la surprise macabre. Et ici du coup, est-ce qu'on prend... Martouille, alors du coup on va regarder un peu ce qu'ils font quand même. Dégâts d'air à l'avant, dégâts de glace à l'avant, donc toi t'as pas des super dégâts de glace mais on va devoir faire avec. Le compte à Minula, il propage le saignement, toi tu fais des dégâts de nature. Lui il veut mettre enragé. Enragé à tout le monde. Ça me plaît bien, enragé à tout le monde. Plutôt le compte du coup là. C'est parti. Donc là il n'y a personne. Ici le petit corps.
Alors là, on met une petite intimidation. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il a vitesse lui aussi? Ah, il a aussi hâte. Bon, elle améliore l'attaque. La première attaque, c'était la première attaque. Ok. Ah, et puis elle a transformé son truc en une carapace. D'accord. On va leur remettre un petit peu de terrifié du coup, pour la peine. Est-ce qu'on va réussir à mettre une deuxième attaque avec le feu? C'est pas sûr. Hein. Ah, puis en plus on a l'âge de leur, non, c'est mort. Du coup elle s'est soignée. Grand bien lui fasse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Stuc de stalactite, dégâts physiques et on met gelure. C'est toujours pas bien ça de fait, on met ralenti. Sachant qu'ils ont déjà la hâte et que globalement ils sont très lents. Ça va pas faire grand chose. Cible facile, ouais. Ouais, on va mettre la gelure. Le petit pendu qui tombe sur la tronche, c'est sûr, ça fait pas plaisir. Allez, c'est parti les gars, enragés. Le petit assaut sanglant, bam, 232 dégâts, ça fait plaisir. Et on a la pierre qui va être enfin utile, elle nous a pas beaucoup servi jusqu'ici. Aïe. Aïe. C'est le maître qui va devoir finir, je pense, sur ce coup-là. Mais au moins, on aura mis du saignement. Et on aura bien fait mal. Et qui dit saignement, dit coup de fouet qui soigne. Allez, venez tâter Papa Mog. Here come my dinner! Bam! En plus, ça marche, même la pierre des deux oiseaux marche dans ce cas-là. Petite brûlure. Tiens, par contre, on n'a pas la vitesse, on n'est pas considéré comme un monstre. Boum! C'est vrai qu'elle est résistante elle par contre, hein. C'est un peu le problème. Alors est-ce qu'on peut pas commencer à mettre un petit peu d'asservissement? Non, dégâts d'air ça fait rien, elle a encore 62 PV. Non, ça c'est... on va la finir. Voilà. Elle du coup elle va subir encore plus de dégâts. On va pas se faire chier à se guérir, on va la défoncer en deux tours. Allez, veux-tu bien les céder? Alors, on a gagné un Tados. 45 de morale, rebondit sur le héros situé derrière la cible si la cible est affectée par démoralisé. Ok. La fléchette empoisonnée, c'est pas trop notre délire. Un corps de ralliement à nouveau. Ça pourrait être utile pour surbooster les monstres, hein. Deux corps de ralliement. Ce truc là pourquoi pas. Ça fait quand même pas mal de dégâts de morale, hein, moins 45, et si on le met Après on a qui met les monstres à mettre démoralisé, mais le stagiaire met pas démoralisé, Mog avec son sort mais pas démoralisé. Ça risque de pas être facile à utiliser quand même. On va prendre le corps de ralliement, c'est une valeur sûre. Bon bah du coup on a perdu un petit peu de morale forcément. On va en envoyer quelques-uns se reposer.
Toc. Toi aussi. Puis toi aussi, allez. Un petit pillage. Ou un petit marchand. Un petit marchand, tiens. Ça fait longtemps. Ah, on pourrait avoir un fantôme. Ça, c'est cool. Non, la plante vénéneuse, c'est naze. On prend le fantôme. Le fantôme qui est quand même très très puissant pour taper sur le moral aussi. Hein. Alors, un alchimiste, non. On va prendre l'événement. Une pleureuse. Une banshee vous propose ses services de pleureuse à des prix très raisonnables pour y obtenir gratuitement une quantité réduite de larmes en proposant un de vos employés pour l'émouvoir. On peut pas l'émouvoir parce qu'on n'a pas de squelette, mais on peut payer 50 pour 20, c'est propre. Hein. Et c'est parti pour un petit entraînement. Toi, on va te monter niveau 3, et toi aussi. Et toi, t'es un gobelin, t'as pas être cher. Ouais, allez hop, c'est parti. Un déplacement, voyons voir ce qu'on nous propose. Envoyer Grognark en déplacement, pendentif démoniaque, applique terrifié à tous les héros quand un démon est vaincu. Alors c'est cool, mais on a toujours pas de démon malheureusement. On pourrait booster lui, ou gagner des larmes en envoyant Pisse-Pousse. On va gagner des larmes. Alors, bon bah du coup, vous allez peut-être pas pouvoir tous vous reposer, Xebus est pas revenu malheureusement. Qu'est-ce qu'on a de beau? Une salle de repos qui remonte la vie, une salle de repos qui remonte le... Non, qui enlève les malus, et une salle de repos qui enlève le moral, mais il y a un artefact à la clé. Ça pourrait être intéressant ça. Ici on a un truc rare, mais le champion, ça va être compliqué quand même. Hein. Si on envoie Broudaf et tout, là on a quand même une bonne équipe de morale. Après maintenant qu'on a deux corps de ralliement, est-ce qu'on aurait pas envie de les mettre derrière? Non, on n'a pas envie de les mettre derrière parce que si on arrive à faire en sorte que le stagiaire soit bien, mine de rien ça dépote. Et on va reposer notre équipe du coup. Ouais, on avait un démon en fait, maintenant on a lui en démon. Mais bon, ça fait quand même un peu cher le terrifier quoi. Dans l'artefact là qu'on avait. J'hésite entre l'artefact et le rare. Allez, on est là pour s'amuser, on tente le champion, on n'a personne dans la salle 2, donc on est condamné à mettre dans la salle 1. Plus qu'à espérer que ça tombe bien, sinon on va souffrir. On va souffrir. Et ça tombe mal. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et bah c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dégâts physiques à l'avant, on a le mec qui mélange, les attaques régénèrent la vie du héros de 50% du dégât infligé. Il peut pas être affecté par démoralisé et soigne du moral. Ah putain. Et lui en plus, vie supérieure à 35%, dégâts infligés de 50%, inflige 100% des dégâts finaux au monstre situé derrière la cible. Vie inférieure à 35%, dégâts subis par les attaques réduits de 50%. Ah ouais, ça va être l'enfer, ça va être l'enfer, l'enfer, l'enfer. Dégâts d'air à l'arrière, dégâts physiques devant. Qui c'est qui a une bonne armure? Toi t'as 25% d'armure, toi t'as 25% d'armure. Mais toi tu vas à l'arrière parce qu'il y a des dégâts d'air, donc damnette tu viens devant. Oh, puis l'autre qui peut pas être affecté par démoralisé, qui va soigner le moral quoi, quel enfer. 21 de moral et démoralisé, et toi tu fais 24 de moral et démoralisé 3. Mais t'as esquive. Toi t'as pas esquive. Toi t'as esquive. En même temps tu vas esquiver une attaque pourrie de ça donc. Ah putain, puis c'est vrai qu'il mélange, bordel, faut que je fasse gaffe. Toi on veut surtout pas que tu sois derrière, donc tu vas derrière. Toi on veut surtout pas que tu sois devant, donc tu vas devant. Donc toi tu vas au milieu. Ouais. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'on essaierait pas de terrifier lui? Ou alors on essaie de booster, on booste, allez on booste. On va essayer de les terrifier après. Là ici, on va le terrifier. Il y aura peut-être moyen qu'on y aille à coup de défi là. Hein. Pour changer. Parce que ça va pas être simple hein, cette histoire. Ok, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on est parti.
il faut me défoncer ce moral, l'autre il est immunisé mais c'est pas grave. 74 de morale, c'est propre. Ok, on a déjà descendu à 75, il est terrifié, ça c'est cool. Bon, par contre il va se faire probablement soigner, mais bon. Aïe. Allez. Ouais. Oh, c'est dommage. On arriverait presque à le faire tomber dès le début, mais... à cause de lui qui va soigner, je pense qu'on va pas réussir. Ah, quoique, s'il lui résiste, il y a peut-être moyen... Non, là, il va se faire défoncer. Et il va soigner lui, mais oh, il l'a soigné de que dalle du coup. 25% c'est pas tant que ça. Ah, ça se passe mieux que ce que j'envisageais honnêtement. Lui est déjà quasiment sur le point de s'enfuir. On va leur mettre un petit terrifié. Parce que t'es pas immunisé à terrifier toi. Et là c'est physique, ça a piqué un peu, non il s'enfuit, ah allez fuis champion, fuis. Coucou. Il reste encore, ah il lui reste plus de stack de terrifié. On va lui en remettre. Combat des titans, mais c'est nous qui avons gagné. Encore que, c'est pas sûr. On a quand même 6 d'enragé, 48 de morale seulement. Ah, ça s'est pas joué à grand chose. Mais là, il va s'enfuir. Coucou! Non, il s'enfuit pas! Le mec, il lâche jamais quoi! Il a fini par mourir du coup. Et bah, tant pis pour toi. C'est cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le foin insatiable. Qui permet donc de booster notre maître. Le ferme clapet qui est très 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 intéressant lui. Mais silence là ça bloque les compétences passives des héros. Le seigneur squelette. Alors, comme passif il a quoi avant? Les attaques rebondissent sur les autres héros. Arrière se transforme en squelette aléatoire quand il est vaincu. Par contre il fait du dégât physique. Ça nous intéresse pas trop. Je pense qu'on va prendre le ferme clapet. Plutôt intéressant comme piège. Bah ça s'est plutôt bien passé, hein, j'aurais franchement pas cru. On va prendre l'ingénieur pour améliorer un petit peu nos pièges, si on peut. Hop. On va améliorer un corps et le ferme clapet. Et on va se refaire en sous avec un petit déplacement. 20% d'infliger un coup critique, et bah voilà un bon artefact. Bon, on gagne pas beaucoup de sous et on envoie notre fantôme. On n'a pas assez pour une formation... On a assez pour un entraînement, mais je pense qu'on va économiser pour notre deuxième entretien avec lui là. Votre ignominie, je découvre avec horreur que j'ai des pensées joyeuses. Oh non, une recharge en larmes de héros me rendrait la tristesse pour accomplir la tâche qui m'est dévolue dans de meilleures conditions. Oui, et buvez un coup à ma santé, plus 40 résistances. Vache! Ah bah ouais, carrément. On a carrément ce qu'il faut en plus, on va prendre un petit fitness. Alors, bah on peut tout faire, donc on va se faire plaisir. On est bien couvert en larmes. L'alchimiste est pas utile, on va prendre l'événement. Un gueuleton corporate, vous êtes invité à un déjeuner d'entreprise avec vos employés, ils scandent votre nom au moment où c'est votre tour de payer une tournée. Qu'allez-vous leur offrir? Un petit repas ou une boisson? Une boisson. C'est cool, ça les remet un petit peu au taquet, vous retournez là. Xebus, tu retournes là. Un nouvel événement, pourquoi pas. Ah, des cuisses d'humains. Des cuisses d'humains un peu louches. Allons-y. On aura des gens malades, tant pis. Et du coup, on va profiter de la thune pour améliorer encore un peu du piège. 250 et 10 larmes pour ça, on prend. Et là, je pense qu'on est ultra top pour affronter l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau?
Ici, on pourrait avoir un artefact. On est déjà plein en artefact. Là, un monstre et plein de thunes. On va prendre le monstre et plein de thunes. Notre équipe est de retour et en pleine forme. Prête à faire fuir deux héros en boucle. C'est parti. On la met sur la salle 1. Toujours pour essayer de faire en sorte que notre stagiaire soit bon en termes d'enragé. Et on espère qu'on va pouvoir poser un piège ou deux avant eux. Et non, c'est directement eux. Et en plus, on n'aura même pas de piège. Ah merde, ça c'est chiant par contre. Bon, alors regardons. Vu le mec en face, c'est possible que l'équipe de dégâts soit plus pertinente du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Dégâts infligés au monstre, ok. Vitesse augmentée de 20. Ne peut pas être affecté par démoralisé et soigne. Et on a une catastrophe. Qui pourrait être relativement intéressante. Donc là du coup on mettrait personne. Là on aurait faiblesse au feu. On met une grosse brûlure du coup sur celui de devant. Lui bah il fera ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ensuite on verra ce qu'on met, probablement un enragé amélioré. Et là on les défonce. Ouais, ça me paraît envisageable en fait. Ça me paraît carrément envisageable. Allez, un petit corps de ralliement de niveau 4 ou alors un ferme clapet. Ça désactiverait le poison au début du tour. Lui, il esquive le premier piège donc ça ferait rien. Et ça désactiverait soigne une fois le maximum de vie d'un héros après un combat. Donc il faudrait que le combat dure moins de 6 tours, ce qui est assez improbable. Donc non, on va prendre les 4 stacks d'enragés. Ensuite, il nous faut quelqu'un qui résiste à la nature devant. Et bah ça va être Malvin hein. Résiste même plus à la nature que Pousse qui se pousse. Quelqu'un qui résiste à la glace à l'arrière. Le comte. Et puis bah martouille le fier avec son petit marteau. Il nous faudra un deuxième vampire ou peut-être Damned ici pour filer un coup de main. Alors là. Pour le coup ça serait intéressant si jamais ils arrivent jusqu'ici. D'éviter d'avoir poison sur notre maître. Donc on va le mettre là. Et on va boire un coup. Alors on a dit une petite faiblesse au feu. Globalement ils sont relativement faibles au feu en plus. Donc ici il se passe rien. Et ici du coup on peut balancer un bon gros fouet enflammé dans la tronche de celui qui est devant, sans cesse de dégâts. Ça fait toujours plaisir. Alors lui il va probablement se faire défoncer hein, par contre pas de miracle. Du coup on va tâter du dégât et partir sur la gelure qui fait 5% de dégâts hein, donc c'est quand même toujours intéressant. Même s'ils sont globalement résistants à la glace. Vache, c'est presque le poison qui nous fait le plus mal quoi. Boum. Bon, on a presque tué lui, même avec le soin. C'est quand même plutôt pas si mal. Ok, donc là, on va être bien enragé. Ok, on tient. Pff, ça pique. Allez, un petit tambour de guerre. Bam! Ouh, ça fait mal aux fesses. Ah, ça calme là, hein, tout de suite. Allez, résiste. Ah non, dommage, il n'a pas pu mettre son coup. Ça, c'est franchement dommage. On va mettre un petit vacarme, tant pis. Quand même pas mal de dégâts, hein. 119 de dégâts sur elle, ça fait plaisir. Ouh, il va même être capable d'en faire un deuxième. Allez. Boum, 149. Et bah étonnamment, ça sera le ferme clapet qui aura fait du dégât. Et du coup, ça désactive leurs compétences, mais ça sert à rien. Alors, on va faire ça.
comme ça elle va crever du saignement et on va pouvoir se concentrer sur celui qui est devant. Un petit coup de fouet, bam! Et bam, donne-moi ta vie. Parfait. Alors, on gagne un archer squelette. Ok. S'il est à l'avant, les attaques infligent un cumul de poison supplémentaire. S'il est à l'arrière, il gagne esquive 1 et 40 de vitesse au début de combat. Ça fait plaisir. Ça pourrait être intéressant pour commencer à avoir un combo avec Pispousse. On a aussi lui, hein, toujours efficace également avec Pispousse. Et l'homme sanglier qui fait hyper mal. J'hésite. Là, mine de rien, on fait dégâts de nature à l'avant, on met poison, on fait saignement en plus. Derrière, on a Pispousse qui arrive, qui tank avec Martouille le Fier là. Et lui, le problème c'est qu'il faut qu'on le mette à l'avant ou à l'arrière, avec ses résistances, faut quand même tomber sur une équipe qui matche bien pour pouvoir se permettre de le mettre devant ou de le mettre derrière. Puis le problème c'est que son poison il le met à l'arrière lui. Même si son attaque de zone est assez intéressante, ça fait que poison 2. On va prendre le gobelin. Mine de rien le gobelin. Il est pas si nul. Et on va s'arrêter là pour cet épisode par contre. J'espère du coup qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. J'en profite pour remercier tous les tipeurs qui continuent de nous soutenir. Ça fait vraiment très très plaisir et ça nous permet de développer la chaîne. C'est vraiment super cool. Merci à vous tous et toutes. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.